Salut, c'est Coach AD. Aujourd'hui, je te retrouve dans ce vlog afin de te montrer mes derniers achats que j'ai fait sur le fameux site de fitness Gymshark. Je te montre tout ce que j'ai acheté dernièrement. Je commande depuis un petit moment, donc je vais pouvoir t'expliquer un petit peu les collections qu'il faut commander ou non au vu de la transparence. Enfin, je t'explique tout dans ce vlog. Je commande sur Gymshark environ depuis 6 ans, depuis que je suis coach sportif et que c'est vrai que tu as besoin de vêtements et j'ai toujours fait confiance à cette marque. Du coup, j'ai plein de petits vêtements Gymshark. Après, bien sûr, j'ai testé toutes les collections. Il y a des collections qui sont vraiment top et que je réutilise à l'heure d'aujourd'hui. Alors ça fait vraiment très longtemps que j'ai ces leggings, ces pulls, etc. qui n'ont pas bougé. Donc c'est un truc de ouf. Je te montre tout après. Et il y a des collections qui sont un petit peu moins bien. Après c'est comme de partout. Hein. Il y a du plus, il y a du moins. Mais je vais te montrer un petit peu et je vais surtout te donner des astuces dès que tu veux commander ta commande. Il faut un petit peu regarder la période, surtout pour la transparence. Allez, je te montre. Ça, c'est ce que j'ai acheté la semaine dernière. C'est arrivé cette semaine, d'ailleurs. J'ai pris le bandeau blanc. Donc, trop bien. Il y a des petites coques. Après, si t'as une forte poitrine, c'est vrai que je veux pas te le conseiller du tout. Mais sinon, elle est top. Elle est réglable derrière. Donc, c'est super. Et en bas, j'ai pris alors la collection Adapt et Animal. Et je l'ai pris en vert, bleu. Et je kiffe. Franchement, je le kiffe de ouf. Il est pas transparent du tout et il est épais. Donc pour faire tes trainings l'hiver, donc en ce moment, automne, hiver, franchement jusqu'à mars, avril dans les salles, il fait toujours un peu frisqué. Donc je te le conseille vraiment, il est vraiment très joli et surtout il est épais et gainant. Enfin, la ceinture monte haut, tu vois, le nombril est là. Donc ça monte quand même plus haut que le nombril. Donc c'est super, super cool. Il est vraiment très joli. J'ai aussi pris un autre Adapt. Je prends vraiment beaucoup d'Adapt parce qu'en vrai, je fais vraiment confiance à cette collection, à cette gamme. J'ai jamais eu de problème. J'ai un gris. Il est très vieux. Franchement, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. Et il est toujours impeccable. Et c'est vrai que les Adapt sont pas transparents. Enfin, à l'usure, tu vois, si ça fait 7-8 ans que tu l'as aussi, il va se déglinguer. Mais c'est un legging, c'est une longue vie hein, pour un legging quand même. Mais c'est vrai que je le mets tout le temps et il est incroyable. Donc Adapt, c'est vraiment... Tous les Adapt à Animal, Flex ou quoi, c'est vraiment une bonne collection. C'est vraiment de la bonne qualité. Je te montre le noir que j'ai pris cette semaine également. Et voilà, donc ça, c'est le Adapt Flex noir. Tu vois, il a des petits... des tout petits motifs. Il est super chouette et pareil, il est pas du tout transparent. Donc c'est bon. Après, je te conseille vraiment de faire le test du squat quand tu achètes un legging et tu verras que sur certaines grandes marques, surtout, ils sont très transparents et très vite. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, je sais que je prends toujours mes leggings ou mes affaires de sport chez des spécialistes du domaine. Donc je sais pas, j'ai des leggings à prendre, je prends chez Gymshark ou autre, mais je prendrai pas dans une grande marque comme Adidas ou Nike. C'est pas des spécialistes, donc je fais pas trop confiance. Mais en tout cas, les Adapt, tu peux y aller, ils sont vraiment cool. Adapt, Animal, Animal, Adapt ou Flex, ils sont vraiment super. Et tu sais que ce sera pas transparent. Et il y a la ceinture gainante dans tous les cas. Après, faut faire attention, mais il me semble vraiment sur tous que ça monte. Ça monte haut, tu vois, donc c'est top. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand les collections sortent au niveau des leggings. C'est-à-dire que... ils sortent une collection, une nouvelle coupe quand même hyper souvent. Et c'est vrai que quand là, il va avoir là, c'est l'hiver, donc c'est top. Tu peux entièrement faire confiance à leurs leggings en hiver. Tu peux vraiment les commander parce que tu sais qu'ils seront épais et surtout pas transparents. Après au printemps, moi je me suis déjà fait avoir sur un ou deux leggings. Je vais te montrer juste après.
ils sont déjà beaucoup plus légers parce que bah voilà, c'est le printemps, c'est beau temps, c'est l'été, etc. Donc ils font une matière beaucoup plus léger. Donc attention aux couleurs parce qu'ils mettent surtout plein de couleurs, des très très belles couleurs qui te donnent envie. Mais la transparence est là, donc fais attention. Moi j'ai pourtant pris un legging noir et il est transparent parce que je l'ai pris c'était la nouvelle collection de printemps et il était bien plus fin. Donc le problème c'est que maintenant je me retrouve, je le mets jamais et j'ose même pas le vendre sur Vinted parce que voilà, il est transparent et ça me saoule un peu. Par contre, j'ai pris un autre legging pareil au printemps qui est un petit peu moins transparent. Donc il faut vraiment faire attention à ces collections qui sortent le printemps. Franchement, tu vois toutes les égéries, Gymshark, le porté, Tatati, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais en vrai, ce qu'elles te disent pas, c'est que c'est un petit peu transparent parce que c'est des matières plus fines. C'est pas parce qu'ils sont pas beaux, attention, hein, il y a des collections de ouf malade, hein, mais voilà, faut faire attention à cette transparence-là. Donc je viens de le passer, le fameux legging transparent. Il est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus fin. Regarde, enfin, je sais pas si tu peux arriver à voir, il est très très élastique, il est beaucoup plus fin et en fait il est bien plus transparent. Donc ça m'embête un peu, je le mets pratiquement plus. Donc voilà. Ou sinon, je le mets pour faire le haut du corps. Il y a toujours une solution. Mais c'est vrai que il est vraiment hyper, hyper léger. Et, enfin, franchement, ça se voit, il est hyper élastique, hyper léger. Donc ça, c'est le gros point positif. Mais c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à ce moment-là, au printemps, quand ils sortent leur nouvelle collection. Et pourtant, c'est noir. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment, vraiment déçue. Mais bon, c'est le jeu. Du coup, les collections que je te conseille vraiment parce qu'elles sont pas transparentes, c'est les Adapt Animal. Franchement, j'ai noir, noir, noir. Ça, c'est les anciens. Adapt Flex et Adapt Animal que je viens juste d'acheter. Ça, c'est les camos. Franchement, épais. Et ça, c'est du rose et il est pas transparent. Pareil, je l'ai acheté en hiver. Donc, trop, trop content. Rose et vert, il n'y a aucun problème au niveau des camos. Ils sont vraiment, vraiment stylés en plus. Et après, c'est les Vital. J'en ai un noir, mais il est au lavage parce que je les mets très, très, très souvent. Vital, franchement, tu peux y aller, tu peux faire confiance, ils sont au top. Et lui, c'est celui que j'ai acheté au printemps, il est bien plus fin. Tu vois, il est vraiment très, 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 très fin. Enfin, je trouve, hein, par rapport aux autres. Il est vraiment différent des autres. Par contre, il est bien. Il est pas trop transparent, il est bien. En plus, il y a des poches sur le côté. Donc c'est cool. Après, il y a une ceinture gainante aussi. Mais c'est vrai que c'est pas un legging que je conseillerais d'acheter en premier si tu veux faire une première commande Gymshark. Je te laisserais vraiment prendre du Vital, du Camo ou de l'Adapt. Vraiment, c'est mes préférés et là où tu peux y aller tranquille, les yeux fermés, tu sais que ce sera toujours OK, quoi. Après, au niveau des brassières, j'ai plein de nouveaux styles, de petits styles, mais ça a toujours hyper bien taillé. J'ai jamais eu un problème de transparence, de couture ou quoi que ce soit, ou même de couleur, que la couleur ne soit pas pareille que sur le site. Vraiment, ils ont toujours été très très réglo à ce niveau-là. Si tu commandes jaune pastel, je dis n'importe quoi, ta brassière, elle arrivera jaune pastel. Enfin, il n'y a aucun problème et ça, c'est vraiment très très agréable. Tu sais que sur les brassières, ils font toujours un sans faute. Brassière et pull, hein, j'ai une tonne de pulls aussi et j'ai jamais, jamais eu de problème. Donc voilà, par rapport à d'autres pulls qui peuvent se détendre ou un peu changer de forme ou quoi, vraiment, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal de pulls Gymshark. Beaucoup de couleurs d'ailleurs, j'ai beaucoup beaucoup de pulls Gymshark mais qui bougent pas et en fait je les achète au fur et à mesure des années de coaching ou autre et c'est vrai que j'ai la chance que ça bouge pas et que ça soit toujours une bonne qualité donc c'est super. Après niveau petit pull d'entraînement, crop top, t-shirt ou autre, j'ai jamais été bien déçue non plus. J'ai pas trop de souvenirs. Au début, je commandais pas trop. Je faisais pas trop de, comment dire, d'ensemble. C'est vrai, alors que là, maintenant, je commande vraiment la brassière assortie au bas, etc. Mais avant, je faisais pas trop ça. Donc, je faisais un article au pif, un peu. Mais j'ai jamais été déçue. Là où vraiment j'ai été un peu déçue, c'est pour les shorts.
Je n'ai pas de short Gymshark parce qu'au final, au niveau de la ceinture, c'est toujours très large pour moi et trop serré au niveau des cuisses. Donc j'en ai commandé une fois et c'était une catastrophe. Donc j'ai plus du tout commandé de short Gymshark. J'ai pas du tout aimé. Peut-être qu'il faudra que je renouvelle l'aventure, hein, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je n'ose pas. Donc voilà. J'ai commandé sur d'autres sites qui étaient bien mieux taillés, donc j'étais trop contente. Mais au niveau des leggings, en tout cas, je prends toujours ces trois gammes, parce que c'est vrai que c'est mes préférés. Je suis entièrement confiante sur ces trois choses. Après, il y en a qui sont très très jolies, attention, hein. Il y a la collection Flex où c'est marqué Gymshark en gros sur la ceinture, mais par contre, c'est des tailles basses. Donc faut aimer aussi, c'est marqué en gros, mais faut aimer le fait que ce soit taille basse. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Faut bien regarder le descriptif du produit. Mais en général, ce qui est écrit dans le descriptif, c'est vraiment réel. Il y a pas d'arnaque, il y a pas de, c'est vraiment juste. Ils sont vraiment justes au niveau de leur qualité de produit. Il faut juste aimer. Regarde, je te montre le petit pull que j'ai acheté là, la semaine dernière, pareil, qui est arrivé avec ma commande. Donc là, Gymshark marqué sur le bras, le petit logo Gymshark floqué dessus. Et derrière, il est très très simple également. Mais voilà, moi je prends beaucoup beaucoup de crop top. Voilà, par contre j'ai un pull long, qui enfin, un long, un pull normal on va dire, que j'ai depuis ma première année de coaching, soit depuis 5 ans, et il n'a pas bougé. C'est pour ça aussi que je recommande Gymshark à chaque fois, parce que je sais que les articles ne bougent pas au fur et à mesure des lavages, au fur et à mesure des trainings, etc. Le produit ne change pas de forme, et ça c'est super. Après, qui te plaise encore ou qui te plaise plus, ça c'est un autre problème, mais par contre la qualité est vraiment vraiment cool, surtout pour le prix des petits pulls comme ça. C'est vraiment pas cher, c'est une vingtaine d'euros, donc c'est top. Après, les leggings sont un petit peu plus chers, ok, mais le petit pull, franchement, ça taille, tu prends ta taille normale, il y aura zéro problème. C'est juste, encore une fois, une question de goût, une question de forme et des couleurs. Mais au niveau de la qualité, c'est toujours réussi. Allez, je te montre la dernière article que j'ai pris dans ma commande la semaine dernière. C'est ce petit pull Gymshark blanc crop top, encore une fois, avec la petite poche sur le devant. Et bon, il est un petit peu transparent, tu vois, on voit à travers ma brassière blanche. Mais franchement, il est tout doux, il est magnifique, il est vraiment très très chouette, donc j'en suis très très contente. Et voilà, donc encore un bel achat. Tu vois, regarde, j'ai remis mon Gymshark Adapt, donc celui que j'ai acheté cette semaine, enfin la semaine dernière. Je te montre, hop, les détails sur la jambe. Et ça veut dire en route pour l'entraînement. Je m'entraîne toujours avec des Adapt, pratiquement toujours. C'est vraiment les leggings auxquels j'ai fait le plus confiance. Avec les camos, bien sûr. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire tes prochains achats sur Gymshark. En tout cas, je te dis à très vite pour un nouveau vlog.